Aujourd'hui, je vous propose de régler ensemble notre variation de scooter. C'est la question que vous me posez régulièrement dans les commentaires ou sur Instagram. C'est en permanence la même question. Simon, explique-nous comment on règle notre variation parce que j'ai un trou à l'accélération, je n'arrive pas à avoir de bonnes performances. Donc aide-moi s'il te plaît, je ne sais pas quel poids de galet mettre ou quel ressort de poussée placer. Ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer dans cette vidéo. Et je vous comprends, hein, comme vous, lorsque j'ai débuté, lorsque j'étais jeune et que j'ai eu mon premier scooter, j'ai eu du mal à comprendre le mécanisme de variation, le correcteur de couple, le variateur, les galets, la raideur du ressort de poussée, je n'y comprenais rien, tout comme vous, je pense, si vous regardez cette vidéo. Mais pas de panique, je vous propose de regarder ensemble comment ça fonctionne et de comprendre ce mécanisme. C'est pas si compliqué en fait. À la fin de cette vidéo, au son que fait le scooter, à son comportement, vous serez en mesure de régler vous-même votre variation en faisant varier les paramètres qu'il faut. Donc écoutez bien, comprenez. Et tout se passera bien. Je vous propose donc dans cette vidéo de voir dans un premier temps un peu de théorie, de décomposer la courbe d'accélération en trois parties. Puis dans un deuxième temps, je vous propose de décrire le matériel qu'il va falloir avoir. Il y a du matériel, c'est nécessaire pour régler sa variation parfaitement. Et dans un troisième temps, on va décrire une méthode super simple, mais qu'il va falloir suivre pour régler et pour trouver le réglage de sa variation. Ça vous convient ce plan? Bah ça tombe bien, parce qu'il y a du pain sur la planche. Première partie un peu théorique. On ne va pas réaborder, je vous rassure, la théorie sur le fonctionnement d'un variateur, d'un correcteur de couple, d'un embrayage. Ça, on l'a vu dans trois superbes vidéos sur la théorie de ces trois éléments. Donc, je vous invite à aller voir la playlist que je vous ai créée. C'est une chose à savoir avant de voir cette vidéo. Sinon, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Je vous remettrai aussi les liens dans la description. Pour décrire dans cette vidéo la phase d'accélération et comprendre les paramètres à régler, je vais décomposer l'accélération d'un scooter en trois phases. La première phase concerne le départ arrêté. La première phase d'accélération est liée au réglage d'un paramètre qu'on a déjà vu dans cette vidéo, c'est l'embrayage. L'embrayage qui va accrocher en fonction de la raideur des ressorts d'embrayage. Je ne vais pas aborder une seconde fois cette phase de réglage dans cette vidéo. On l'a vu très bien, je pense, dans la vidéo qui concernait les ressorts d'embrayage, n'hésitez pas à aller la voir. Ce qu'il a été important de retenir dans cette vidéo tout de même, c'est qu'il était important que dans cette première phase, il n'y ait pas de variation du rapport de transmission, que la courroie ne débute pas sa montée dans le variateur pendant la phase d'accroche de l'embrayage. Ça, c'est important, il faut l'avoir retenu. La seconde phase d'accélération est la phase qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la phase de variation du rapport de transmission. Cette variation va être automatique et créée par les trois éléments qui sont déterminés dans ce système de variation, le variateur, la courroie et le correcteur de couple. Ces trois éléments vont collaborer pour progressivement augmenter en fonction de l'augmentation du régime moteur le rapport de transmission comme une boîte de vitesse automatique. Alors comment ça fonctionne? Un petit rappel sur la théorie de ce mécanisme pour bien le comprendre quand même. Donc le moteur en tournant va entraîner un variateur. Dans ce variateur il y a des galets. Des galets c'est des poids simplement qui sont répartis équitablement tout autour d'un variateur. Ces poids avec la force centrifuge créée par le mouvement de rotation du variateur vont avoir tendance à s'écarter vers l'extérieur. En s'écartant vers l'extérieur, ils vont créer avec cette force centrifuge une poussée de la joue fixe qui va avoir tendance à pousser la courroie sur des pentes qui vont avoir tendance à faire monter la courroie dans un variateur. Le but de faire monter une courroie dans un variateur, eh bien, c'est de simplement augmenter le diamètre de cette poulie motrice pour augmenter le rapport de transmission. Un peu comme dans un vélo, on change de plateau, on change de vitesse. L'augmentation du diamètre de la poulie motrice va nécessairement impliquer une diminution du diamètre de la poulie réceptrice au niveau du correcteur de couple parce que la courroie est inextensible. C'est une propriété de la courroie, elle n'est pas faite de matériaux élastiques. Mais pour éviter que le rapport ne change trop vite, qu'il ne soit pas progressif, on va placer une force au niveau du correcteur de couple qui va aller contre cette force centrifuge du variateur. On va placer un ressort de poussée dans le correcteur de couple, dans la poulie réceptrice, pour contrer cette force centrifuge. Ça agit un peu comme une balance, c'est-à-dire que on a une force centrifuge qui va être contre une force de poussée du ressort de poussée. La force centrifuge du variateur est proportionnelle au poids des galets,
à leur position par rapport à l'axe de rotation du variateur et proportionnelle au carré du régime moteur. La force de poussée du ressort, elle, va être proportionnelle à la raideur du ressort, une constante du ressort, et de son allongement. Donc plus la courroie va monter dans le variateur, plus la force centrifuge sera importante, et plus la courroie va descendre dans le correcteur de coupe, plus la force de poussée du ressort de poussée sera importante. Donc cette logique d'évolution dans le même sens de ces deux forces va permettre de créer une progression de montée de la courroie. Donc depuis le démarrage, la force centrifuge va augmenter jusqu'à être égale à la force du ressort de poussée. C'est à ce moment-là que la courroie va commencer à monter dans le variateur. Puis ces deux forces vont en permanence s'équilibrer. C'est cet équilibre progressif des deux forces qui va permettre une progression lente en accompagnant le régime moteur du rapport de transmission. Et cette progression va devoir être réglée précisément en faisant varier les deux paramètres qui peuvent être réglés sur ce système de variateur et de correcteur de couple, à savoir le poids des galets et la raideur du ressort de poussée. En accompagnant le moteur en faisant varier progressivement ce rapport de transmission, on va pouvoir arriver au bout de cette seconde phase d'accélération à la troisième phase d'accélération qui sera l'ouverture totale du variateur et l'augmentation progressive du régime moteur jusqu'à la vitesse maximale du scooter. Donc la troisième phase sera une montée progressive de la vitesse avec un rapport de transmission fixe. Pour régler sa transmission, pour régler la variation, le correcteur de couple, il va falloir du matériel, ça va sans dire. Tout d'abord, il va falloir faire varier les deux paramètres, le réglage des poids de galets et le réglage de la raideur du ressort de poussée pour permettre d'obtenir la meilleure performance. Donc il va falloir avoir un échantillon de différents poids de galets et de différents ressorts. Ça, on ne peut pas faire autrement. Concernant les galets, ils peuvent varier de 4 grammes à 8 grammes environ avec des pas de 0,25 grammes environ. Donc si on fait le calcul, on peut très vite arriver à une note salée si on veut tester tous les poids de galets. Mais ouf, il existe une solution beaucoup moins coûteuse, c'est d'utiliser des galets programmables que j'avais d'ailleurs mentionné dans une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps sur les galets programmables. Il en existe de toutes les tailles. Personnellement, avant d'avoir reçu des petites boîtes Doppler avec l'ensemble des galets disponibles dans chaque gamme, j'avais pour toutes les dimensions de galets les galets programmables de cette marque qui sont disponibles chez Scootfast. Je vous mettrai les liens en description. Ils existent dans toutes les dimensions de galets que vous avez, pour les boosters en 15x12, pour par exemple le variateur Polini en 13x16 ou par exemple pour le Malossi Grande Plage en 15x19. Moi, j'ai tous les types de galets programmables pour tester, en fonction des différents variateurs que je peux mettre sur mon scooter, la variation optimale qui fonctionne aux petits oignons. Ça coûte pas grand chose, ça coûte à peu près 15-20 euros en fonction des fournisseurs et en fonction des marques. Pour moi, c'est un super investissement pour éviter de se payer 7 euros fois le nombre de galets que vous avez dans toute la plage d'essais que vous avez à réaliser. Ça fait vite à peu près 250 euros. Donc voilà, pour 20 euros, on a la possibilité de tester tous les poids de galets possibles. En fonction du résultat qu'on obtiendra avec les galets programmables, il faudra penser à acheter le poids de galets idéal. Donc là, il faudra débourser à peu près les 7 euros pour avoir les galets définitifs à mettre en place dans notre variation. Cela résiste mal avec le temps, c'est pas leur utilisation première. Leur fonctionnalité première, c'est de trouver le bon poids de galets. C'est tout, c'est pas dans la durée qu'ils sont utiles. Deuxième sujet, les ressorts. Alors là, j'ai pas de ressort réglable à vous montrer, mais il y a très peu de types de ressorts à utiliser. Pour moi, il y en a 4 à posséder si vous voulez faire évoluer votre configuration dans le temps. Il y a le ressort de poussée origine, il y a le blanc Malossi à plus 30% de raideur, le jaune Malossi à plus 35% de raideur et le rouge Malossi à plus 40% de raideur. Avec ces 4 ressorts, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez passer en 50 cm3 avec un kit ou en 70 cm3, vous allez pouvoir régler votre variation comme vous le souhaitez. Chaque ressort coûte à peu près 8 euros par exemple chez Scootfast, donc c'est pas non plus excessif. En fonction de la configuration que vous avez, vous allez devoir sélectionner 2 ressorts à tout casser, donc 16 euros d'investissement. Pour vous donner un petit repère, si vous êtes en moteur d'origine, le ressort d'origine fonctionne très très bien. Si vous souhaitez investir dans un ressort blanc pour tester, vous pouvez, mais pas au-delà, ça sert à rien. Si vous êtes en kit 50 cm3, vous pouvez investir dans un ressort blanc
et jaune, le réglage se situera entre ces deux ressorts. Et si vous êtes en 70 cm3, vous pouvez investir dans un blanc, jaune et rouge. Donc voilà, pour les ressorts, ça fait un petit investissement de 16 ou de 27 euros en fonction des configurations que vous avez. 1, 2, 3 ressorts. Donc 20 plus 16 euros, 36 euros. Voilà, vous avez l'échantillon complet de ce que vous devez posséder en moyen de réglage pour trouver le bon réglage poids de galet, raideur de ressort. Alors moi je vous conseillerais pour visualiser le régime moteur, c'est d'investir dans un contour. C'est quand même pratique d'avoir ce type d'élément lorsqu'on veut visualiser le régime moteur en permanence pendant une phase d'accélération. Donc investir dans un contour, c'est quand même intéressant. Vous en avez sur AliExpress ou sur Wish, vraiment pas cher, à 5 euros. Donc c'est quand même un truc facile à monter en plus. C'est plutôt sympa de s'en équiper pour la phase de réglage. Je vous le conseille. Et dernière chose à posséder pour faire varier et régler sa variation et son correcteur de couple, il faut bien sûr pouvoir démonter le variateur et le correcteur de couple. Et pour ça, je le répéterai pas assez, je trouve parfait les clés de démontage de l'embrayage et la clé de démontage, je vais la trouver, de variateur Easy Boost. Elles sont parfaites selon moi et sincèrement, elles ont pris une place de choix sur mon établi parce que je m'en sers tout le temps. Donc investissez dans ces deux petites clés, ça coûte pas grand chose et moi je les utilise tout le temps. De toute façon, vous voyez bien que je démonte tout le temps ma variation, mon correcteur de couple. Donc si je ne les avais pas, bah, je serais un peu en galère. Voilà pour le matériel qu'il faut pour régler sa variation. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il va falloir la régler, cette variation. Donc on va le voir dans cette troisième partie. À présent, trouvons ensemble le bon réglage. Déjà, chassons de notre esprit une idée reçue. Il n'y a pas de poids des galets qui favorise l'accélération, il n'y a pas non plus de poids de galets qui favorise la pointe. Il y a un seul couple galet-ressort pour une configuration, la configuration optimale. Donc, s'il existe un poids idéal, on distinguera deux cas. Premier cas, si le poids des galets est trop léger par rapport à la valeur idéale. Les symptômes sont les suivants, montée en régime franche. Par contre, le moteur monte beaucoup dans les tours, il fait énormément de bruit. C'est un symptôme qu'il faut vraiment visualiser, ça veut dire que vos galets sont trop légers. Avec des galets trop légers, la courroie ne montera pas jusqu'en haut dans le variateur. Et donc, vous n'obtiendrez pas la vitesse de pointe maximale que vous pouvez obtenir avec votre configuration. L'explication technique, elle est toute simple. La force centrifuge des galets ne sera pas assez importante pour compenser la force du ressort de poussée. Et donc, le rapport de transmission restera bas, en tout cas pas à sa valeur maximale. Le moteur va donc tourner très vite, trop vite, par rapport à ce qu'il pourrait fournir si la courroie avait monté jusqu'en haut de la variation. C'est un peu comme en voiture lorsque vous restez en troisième sur une autoroute. Le moteur gueule, ok, mais vous n'avancez pas. La courbe obtenue, c'est à peu près celle-là. Bon, on a une accélération plutôt convenable, mais par contre, la vitesse de pointe ne sera pas obtenue. Et plus on augmente le poids des galets, on remarquera que plus on obtiendra une courbe qui ressemblera à la courbe idéale. Le deuxième cas maintenant, si les galets sont trop lourds. Les symptômes sont les suivants. La montée en régime est laborieuse. On a un trou à l'accélération à peu près à 30 km/h et c'est laborieux pour monter en régime. On a une vitesse de pointe, certes, qui sera celle à peu près de la vitesse de pointe de la courbe idéale. Par contre, il faut prendre son temps. La raison, elle est toute simple, vous l'aurez compris, avec des poids de galets importants, la montée du variateur se fait rapidement, la courroie monte trop rapidement dans le variateur, le rapport de transmission est trop vite, trop élevé, c'est comme si vous passiez vos vitesses trop vite lorsque vous êtes en voiture ou en moto, et le moteur a du mal à suivre, le rapport de transmission est beaucoup trop élevé pour accompagner le moteur jusqu'à une vitesse de pointe maximale. Le rapport de transmission est trop vite élevé, le couple est du coup très bas, et le moteur a du mal à fournir la puissance nécessaire pour monter en vitesse le scooter. Donc vous l'aurez compris, il existe un poids idéal qui se situe entre le premier cas et le second cas. Ce poids
idéal permettra d'accélérer le plus vite possible à la vitesse maximale en favorisant une variation du rapport de transmission progressif accompagnant le moteur dans sa montée en régime. Sachant cela, on va définir la méthode, en tout cas celle que j'utilise lorsque je fais des tests. Déjà, quelques règles simples. Choisissez une ligne droite, environ 500 mètres de préférence un terrain plat pour pouvoir comparer les performances. Ensuite, ça paraît tout bête, mais vous allez faire beaucoup de tests. Donc prenez une feuille toute simple, notez le poids des galets, le type de ressort, vos impressions une fois que vous êtes rentré de votre parcours et la vitesse maximale obtenue. Je vous garantis, moi ça m'arrive tout le temps, lorsque je fais des essais, au bout du troisième test, je sais plus du tout ce qui étaient les deux précédents. Donc prenez votre temps, notez tout ça sur une feuille, essai après essai. Et une règle d'or, il faut prendre son temps. Ne vous pressez pas, faites des essais méthodiques et sachez ce que vous faites. Faites varier le poids des galets et le type de ressort méthodiquement. C'est comme ça qu'on vous obtiendrez des résultats. Donc la méthode, c'est quoi exactement? On y vient. En fonction de votre configuration que je vous ai mentionné juste avant, 50, origine, 70, vous prenez les ressorts de poussée correspondants. Vous choisissez le moins raide. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de trouver le poids de galet idéal pour ce ressort. Donc vous prenez un poids de galet de 4 grammes, le plus bas, et vous faites vos essais les uns après les autres en augmentant le poids des galets de 1 gramme à chaque fois. Vous notez vos impressions, vous notez votre Vmax, et vous procédez de cette manière. Une fois que vous avez procédé à tous ces essais de 4 à 8 grammes, vous prenez les deux meilleures courbes et vous coupez en deux le poids des galets. Si vous êtes situé entre 5 et 6 grammes les meilleures courbes, vous faites un essai à 5,5 grammes. Et ainsi de suite, si vous obtenez des meilleures performances entre 5 et 5,5 ou entre 5 et 6, vous divisez encore en deux et vous faites des essais à 5,25 ou à 5,75. Et de cette manière, vous allez méthodiquement trouver le poids de galet idéal en fonction de la raideur. Sur cette configuration, vous allez regarder si votre courroie monte bien tout en haut de votre variateur. Pour ça, il y a une méthode, vous la connaissez forcément, c'est de mettre un coup de marqueur sur votre variateur avant de partir pour faire vos essais et à la fin de votre essai, vous regardez si le coup de marqueur a disparu. Ça veut dire que votre courroie est montée totalement dans votre variation. La montée idéale, c'est quand il reste 1 à 2 mm de feutre sur votre variateur. Premier cas, si votre courroie monte bien avec votre configuration optimale, votre poids de galet optimal, il faut essayer avec un ressort de poussée plus raide. Donc vous prenez le second ressort ou le ressort un tout petit peu plus raide et vous refaites les essais. Le but du jeu, c'est quand même de mettre en place un ressort le plus raide possible pour tendre la courroie au maximum. En revanche, si la courroie ne monte pas totalement dans le variateur, il y a plusieurs causes à cela. Soit votre ressort est trop raide, dans ce cas-là, il faut revenir à la configuration précédente avec un ressort moins raide. Soit il est possible que votre courroie soit usée. Une courroie usée implique que la courroie ne sera pas assez large pour profiter de l'ouverture totale du variateur pour monter dans le variateur et donc elle montera moins haut que si votre courroie était neuve. Il faut juste vérifier la largeur de cette courroie. Si elle est inférieure à 15,2 mm, là il faut procéder à un changement. Si votre courroie se situe entre 15,2 et 16,5, donc elle est encore viable, vous pouvez corriger ce défaut d'usure de votre courroie en modifiant l'épaisseur de la rondelle de calage située entre le canon du variateur et de la joue fixe. De cette manière, vous pourrez adapter l'espace entre la joue fixe et la joue mobile de votre variateur pour faire monter tout de même votre courroie au maximum. Le bon réglage sera obtenu avec le ressort le plus raide possible, mais il faudra que la courroie monte totalement dans le variateur, à environ 1 ou 2 mm de l'extrémité extérieure de votre variateur. En procédant par itération avec la procédure que je viens de décrire, vous allez obtenir le meilleur poids des galets et le meilleur ressort de poussée permettant d'obtenir la meilleure accélération possible avec votre configuration. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Merci qui ? Petit dernier conseil quand même avant de partir, si vous hésitez entre deux poids de galets, privilégiez le plus léger. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur du plat, ça fonctionne très bien, mais avec une toute petite côte, vous allez voir, privilégier un galet plus léger permettra d'avoir une meilleure reprise, une meilleure accélération en côte. Vous m'en remercierez. Bon, ça y est, vous avez tout compris, j'imagine, parce que c'était quand même très clair. Bon, sans rigoler, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo pour que vous compreniez le mécanisme de variation
pour comprendre ce qu'il faut faire varier comme paramètre, le poids des galets, le ressort en fonction des configurations que vous pouvez avoir et de la puissance de votre moteur. Et j'espère que vous allez pouvoir, avec l'application de la méthode que j'ai décrite dans cette vidéo, obtenir le bon réglage. C'est assez complexe à obtenir, il y a beaucoup de tests à faire et de démontage de votre variateur à faire, mais une fois que vous avez pris le pli et que vous avez compris le réglage qu'il faut obtenir, eh bien ça va assez vite. En 3-4 essais de galets, vous allez pouvoir obtenir le bon réglage. Mais je vous fais confiance, vous avez tout compris, vous allez appliquer à la perfection cette méthode. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est toujours comme d'habitude, c'est pas parce qu'on vient de vacances qu'on change les bonnes habitudes, un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me permet d'être mieux référencé, et si je suis mieux référencé, ça permet aux autres de connaître les tutos que j'ai pu faire, et peut-être en aider certains. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et à cliquer sur la petite cloche, ça vous permet d'être au courant en temps réel lorsque je poste une nouvelle vidéo, et si vous êtes en panne sur un sujet, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur dans les playlists qui sont en dessous. Il y a une centaine de vidéos disponibles sur tous les sujets du booster qui sont applicables d'ailleurs sur d'autres scooters. Donc n'hésitez pas à fouiller dans les vidéos en dessous, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Si vous avez une question ou si je n'ai pas été assez clair sur un point particulier, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, je tenterai d'y répondre. Et si vous avez une question particulière qui nécessite l'envoi de photos ou de vidéos ou de réflexions un peu plus poussées, vous avez toujours Instagram, donc vous pouvez me joindre sur Instagram en message personnel et je tenterai de vous répondre. J'ai beaucoup de messages, mais j'essaierai de m'y tenir. J'ai rattrapé un peu de retard pendant les vacances, j'ai eu un peu de temps de répondre à vos messages. J'espère que vous en êtes aperçu. Merci de votre fidélité. Comme prévu, on a dépassé les 50 000 abonnés, on a 50 400 abonnés, donc je suis très heureux de vous retrouver en septembre avec cette bonne nouvelle. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !